Zami fidèle Haïti Media moun yo, nan moman ti mesye mesene mette avec kek soufflant, chou te moute kay président, le ou te fin ou ete la ville la, nan moman yo tap descend, fòm di nou nou tout te konnen la police la, te pran yo nan yon dap piyan. Mais fòm di, aucun nan nou pa jam pose m question pou te dim, kote haïtien ki te fè pati de troub sa, comment fè ou pa tout mare yo jou swa, et bien selon information ke m gen la ke m pral partage avec ou, mon chèm pa bon menti ou mettre la tichèse bò, m pral bò detay yo. M ap mande tout, ansin dan encouragement pour capable abonner avec channel YouTube Haïti Media Online. L'on fait ça, ou à permettre channel l'avancer pour plus devant et ou même ou apprêter plus près information puisque on connaît déjà en matière d'info, nous c'est numéro 1. Bonjour, bonsoir amis moi yo, comment nous y est-ce que nous en forme, est-ce que n'a kembe toujours même love là, même plaisir à chaque fois ou d'accord fait clic ça pour coûter voir information cap bon détail yo à clair. Ancien président Jovenel Moïse li mouri dans façon en pile là nous connaissant, mais ça pas empêché c'est à tort n'a jeune en pile le détail dans affaire la mort ti tonton si là zami Haïti Media on yo si mémoire nous pas fait un défaut n'a songe que chef police là en parlant de Léon Charles li te fait comprendre nan moment ti monsieur te fin touyer président yo te gen alerter la police ça mais même jour soir ça te gen une opération d'emblée qui te déclenché nan parage Pèlerin qui t'a pral la cause James Soulage prend code Vincent te prend code mais faut me dire nous là puisque m'était déjà ba nous quelques informations pour te faire nous connaître que en pile policier haïtien mettait avec l'autre haïtien tout qui était dans complot Takuba Dio John Joel Joseph qui était présent en chair et en os la caille président mais faut me dire nous là PS moun pas de information dans moment côté opération ça t'est déclenché pour qui ça n'est ça même yo pas tout passé en bas ou l'eau la police là et bien réponse là li simple m'gal partager avec nous là faut me dire haïtien qui déjà connaît parage là qui déjà connaît là très bien dans moment où t'as descendre yo t'es gitan estimé que zone en bas li bar republique gon paquet cartouche qui t'a chanté nan voisinage kay président quand même t'a toujours gagné un coup de fil qui passé mais pendant nèg ou descend yo remarqué que en bas li bloqué yo pas vi al prendre entrant la police té préparé pour yo wa yo fait route par en parlant des policiers haïtiens mettez avec Badio John Joel Joseph nèg yo font l'autre route mais mercenaires colombiens yo faut me dire nous ça nous connaît nèg ça même yo té tellement senti yo confortable parce que imaginez nous nèg yo té remarqué gen force légale qui té composé tout yo wa. C'est-à-dire pour eux même c'est ton déviant de la société, yo t'a pral wété la ville et en même temps nous connaité gon mandat qui té nan mais James Soulage vous comprendre pour t'al exécuter. Ça té fait mercenaires colombiens ou penser pas gen rien qui pourrait avec on sac terroriste, on sac bay mercenaires. Nèg yo t'a descendre c'est nan même moment nèg yo prendre entre plan et ça qui la cause nous ouais et pas gen haïtien là qui ont été prend dans même jour soit ça que la police te préparé comme ça pour mercenaires colombiens mettre avec haïtien. Mes amis Haïti Media on yo, ça important intéressant pour me parler avec nous selon information qui me joint nèg yo relé Badio ça jusqu'à présent qui dans l'air la police soi-disant a cherché tout ça faut me dire nous dans dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là mou yo fait me comprendre monsieur tellement complice moi même franchement me sinomel elle complice est-ce que vous comprenez tellement monsieur gain pour avec Zach horrible ça qui fait la caille président et l'autre détail encore zami Haïti Media on yo la guerre civile en pile nous connaît qui c'est ancien coordonnateur vous comprendre sécurité présidentielle actuellement là qui est en prison et bien ça me dit nous là même ou même ou capable saisir même Osman Jovenel côté il y a beaucoup de papa là même lui même l'a ébranlé et bien zami Haïti Media on yo tonton la guerre civile li pas de jambe haïtien son nèg de nationalité américaine et gen quelques américains là qui t'a visité monsieur côté li nan kachoa et bien à partir de jodi a monsieur a bon l'autre traitement parce que monsieur li son citoyen américain et m'a dou ça Jovenel Moïse en tant que ancien président qui t'est prôné qu'on ça mettait en bas épaule li et bien Jovenel pat au courant si monsieur li même li pat yon haïtien c'est ça m'a dit nous ancien président dans tout sens li pat prudent son est qui très naïf bon peut-être que côté yal prend nan comprendre nan tout ça vin avec li la gion philosophie li manke pensé gen quelque bagage au moins li te manke konnen et bien monsieur me dit nous ça là déjà zami Haïti Media on yo monsieur font erreur peut-être côté li a là la réfléchi des erreurs si là et fòm di nou tous zami Haïti Media on yo nèg yo la guerre civile là li s'est menti 7 fois 77 fois qu'elle pas participer nan complot pour te capable wété en la vie ancien président Jovenel Moïse parce qu'elle te fait comprendre ancien président ça malgré en pile moun ta fait comprendre son nèg qui courait son nèg qui dit en pile mais pour la guerre li fait comprendre président Jovenel
personnel, li te fait bien en pile, c'est pour raison ça. Mais pas d'abjam d'accord pour nek ta invité, ou comprendre invité là pour la entrer non complot comme ça. Mais raison en simple, yo fait me comprendre, la police oblige marrer la guerre civile, pimpe en prison à cause yo ta joindre El Condiso. En parlant de Badio, li ta en contact direct avec tout commandant qui t'a assuré sécurité présidentielle. C'est raison ça qui fait monsieur jusqu'à présent là, li en prison et me dit ça déjà puisque monsieur de nationalité américaine, gon l'autre traitement, li pral prendre en prison là même gens avec mercenaires colombiens ou même, yo pral y a traité yo là yon l'autre façon. Mes amis Haiti Media on yo, l'autre bagaille encore qui important intéressant, moi supposé parler avec nous, faut me dire puisque nous connaît son paquet mercenaires colombiens qui impliqué dans la mort ancien président, mais ça important pour nous parler là. Gayon bande média colombien, faut me dire nous ça, faut nous vraiment prudent bien fait, mettez en pile attention avec média colombien ça parce que nous connaît son paquet mercenaires qui sorti dans pays yo qui viennent faire zak ça là sous président Jovenel Moïse. Et bien ça important, gen bon média, gen mauvais média, mais ou pas besoin me connaît qui est-ce qui bon, qui est-ce qui pas bon. De ce fait, information que média sont même y a bail sur réseaux sociaux yo, nous supposé très prudent là-dedans parce que ça fait 45 millions de dollars qu'a parlé ya, li parle évangile son diable qui te manqué boue nous, faut me dire zami Haiti Media on yo journée jodi a nous obligeant pi pri dan kounya parce que enquêteur yo fait comprendre za fait 45 millions ça yo pas jamais mentionné dans rapport et tandis que c'est un journal colombien qui bay message a bi sortant de ya li gay dans la république. Même moi-même moi t'ai obligé partager avec nous. Et mes amis Haiti Media on yo selon enquêteur haïtien yo nek qui toujours là yo nek qui t'a écrit sous bout de papier yo fait comprendre pas jamais gen za fait 45 millions ça mais t'es toujours gen ti paiement nous comprendre même les moun nan jalousie Kenbe mercenaires colombiens yo et mes amis Haiti Media on yo yo te jwenn kek ti paimonen nan poche yo yo te pran yo séparé entre yo bagay yo en pile bagay yo vraiment drôle zami Haiti Media on yo. Mais ça important et intéressant pour me faire konnen Zak Jovenel la li pas supposé rete impuni que ce soit moun ki participe la dedans tout ta supposé des cadmiray malgré me konnen la yo fè me comprendre gen en pile tentative k'ap fait gen kek mandat ou te mete des kek moun yo pral essayer pour est-ce que capable annuler mandat sa yo. Mes amis m'ap ça à clé président Jovenel c'est vrai gen en pile l'autre moun là qui passe dans façon président passé là malgré président pas jam kon di yon mot nan bagay sa yo. Mais m'a dit nous puisque j'ai international la libre ke sou nous l'a regarder comment n'a jonglé dossier si là mes amis pi ga nous paraît l'aide pi ga nous sorti l'aide. Il faut que nous capable bay ancien président Jovenel Moïse justice malgré moi famille Jovenel pas inquiète ou pas besoin justice là dem te dit ça déjà yo font façon la zombie président là nan la doun sal gen tan nan la ri moun go naïf parler causé a ou konnen a clé fidèle Haiti Media on yo li important intéressant pou doit pou te voir information ka bon détail yo a clé pou konnen avec Moenga Haiti ki gen deux produits gen zouti gen bon gen zouti al même ki son pomade 100% organique ka permet ou allonger tol pi nou de 3 à 5 cm et vòm dou sa de petit moun nan gen 15 à 75 l'année li kapab passer et en même temps gen bon nan ki se yon comprimé ki fait avec 13 plant naturel ka permet ou augmenter libido et en même temps freiner sec contre pain ça qui pote non bec à terre 37 55 4606 c'est numéro capable contacter yo pour jeune plus détails et pour placer comment dou l'autre détail que me gal parler avec nous là zami Haiti Media on yo nous capable suivre ça fait tout dossier ça gen dans pays là la, li presque fait oublier ça fait corona mais faut me dire nous corona li style toujours là li toujours présent mais ouais là pendant quelques jours là pas tellement gen cas qui confirmé raison li très simple parce que nous connaît yon dose qui était entré dans pays d'Haïti via via avec Covax c'est comme ça programme lan li même li était d'accord ba nou paquet 1000 on prend vaccin là. Et bien selon information qui me gen là gen 16597 moun ou comprendre qui gen tan vacciné yo gen tan prend premier dose là yo juste qui était là 16597 moun sa yo y a tant deuxième dose mais yo fait me comprendre gen 341 moun qui déjà fin vacciné qui pas nan bagay comme ça encore yo été ko yo nan piqué. Et mes amis Haiti Media on yo m'ap di nou la mwen gen an pile moun ki mobilize pour pran vaccin ça mwen nan les ti messieurs fòz ami yo yo pran vaccin gen an pile côté là an pile institution publique ou privé yo tout la gen même dévouement pour y al vacciner contre maladie qui pote nou coronavirus qui fait nous an pile tort si tout dans le monde entier mon chèm pa bon menti ça fait corona ça li frappé an pile porte. Pas oublier non application li pote nou ces abdil c'est une application qui fait spécialement pour même qui nan a fait business marchandise ou a qui quand
quand y a pas gain problème fin download application ça mettez sur smartphone nous et puis s'entendez ou mettre faire photo produit à poster ou à joindre monde marchander dans mon et en même temps acheter parce que avec Zap tout ça règle vraiment simple dans avec business avec Zap ou pas prend vie étape ou besoin nous boyon visibilité boyon promotion pas gain problème écrit sur Haiti Media on à commercial@gmail.com pour un petit grab diamondé m'a bon love là et en vérité ou si vous êtes satisfait dans moins que en semaine pour façon nous pral vendre produit à n'a fait le passé puis au passé yon egg. Bonsoir auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes. Moi bien content jodi a que moi là avec nous pour me capable échanger certaines informations qui a passé dans le pays. Évidemment aujourd'hui c'est une émission spéciale et en rapport avec le dossier de l'ULCC. C'est-à-dire un dossier lié surtout à la corruption. Mais je dois vous dire que j'ai fait des remarques autour du dossier lié à l'assassinat du président de la République, Jovenel Moïse. Depuis les quatre actes présentés par Scoop, il n'y a aucune avancée en termes d'informations réelles et confirmées concernant le dossier du président de la République. J'ai lu comme tout le monde et j'ai entendu des reportages présentés par des chaînes de télévision internationales. Donc, je prends du recul par rapport à ces reportages, par rapport à ces informations qui circulent sur le réseau social. Ou du moins sur les réseaux sociaux, côté Yapé Palais de président de la République. L'un des dossiers, il y a un élément qui est dans le dossier A qui te fait rebondissement, c'est l'affaire de 45 millions de dollars. 45 millions de dollars que vous avez joint, que vous avez joint dans la chambre président. Comme dans les premiers moments, j'avais pris du recul par rapport à ce dossier, j'ai été liquidé. Jusqu'à présent, je ne peux pas confirmer cette information liée à 45 millions de dollars que rejoignent notre chambre président. Et tout enquêteur qui participait dans le dossier à Cap Chaché Kouane, etc., il n'y a pas que je ne trace 45 millions de dollars que a parlé. Et ne sac pas la même, vous voulez garder l'anonymat. Gagner. Qui bombe de l'autre information par contre. Mais vous tout démenti jusqu'à présent 45 millions de dollars. Seul monde qui est capable de confirmer ça, c'est le monde qui prend yo. Si nous n'avons yo, il va dire, c'est vous-même qui avez 45 millions de dollars. Donc, moi pas démenti personne qui bat l'information. Moi démenti. Information parce que DCPJ enquêteur dit ou pas mettez le rapport parce que pas joindre ça. Cependant, je suis à même de confirmer une information diffusée ou donnée par mon confrère, mon ami, mon frère Valérie Numa qui dit qu'il y a un COB. Je ne donne pas mettre 10 millions de dollars. Que des COB que des Colombiens t'es sous yo. Et que comme ça, les gens qui t'a arrêté dans la jalousie, comme ça, t'as semblé, ils ont effectivement, dans les enquêtes menées par équipe, Scoop, et des témoignages que m'a cherché avec les gens qui t'en dans, et surtout les gens qui t'es prêts Colombien, ils ont confirmé, la population a été joué un petit coup sous Colombien. Donc c'est confirmé, t'es contre. Mais je ne dirais pas c'est un million. Je c'est un million de dollars. Parce que un million de dollars tombé dans la jalousie, tout le monde pense que ça va passer dans la jalousie. C'est un million de dollars tombé. Donc on a un petit cop sur une vérité. Faut préciser que, selon même source qui fait enquête là, et Colombien, vraisemblablement, t'es pris des valises en dedans et t'es pris des documents en dedans le président. Bon, il reste au juge d'instruction. Et pour lui capable lui-même faire travailler dans ce sens-là. Et je voulais dire tout, il faut au moins qu'il y ait de l'heure nous faire des gens de confiance. Il faut au moins nous essayer tant de bien
et garder avant nous réagir. C'est pas toute information yo voyez ba ou, yo transférer ba ou sur WhatsApp et pour prendre un comme information qui vérifier et deuxièmement ou transférer le ba un monde. Parce qu'on a fait un pile temps. On prend cas de du greffier qui travaille avec juge d'instruction et que au fait est nommé pour ce dossier Jovenel Moïse. Je ne peux pas comprendre. Où mon a passé Matisse, bandit avec la police a tiré. Yo voulez Gaza qui mon jeune. Monsieur arrivé dans l'hôpital, il pas jeune soin, monsieur mouri tout fait. Automatiquement, comme il y a dossier, moun qui était interprété, c'est pression ba juge là, c'est attaqué ou attaqué juge là. Mais mes amis, quittez au moins, ils mènent une enquête pour connaître ce qui passé. Mais comme ils fait nommer juge là, je comprends pour qui raison des gens liés la mort à une attaque que ils fait sous juge là et ou bien pression à bail. En nous temps, suspendre, faire ça. Parce que moi-même, je suis là, je suis là pour me désinformer, je suis là pour m'informer. Dans le dossier qui a un rapport avec Jovenel là, autorité policière a confirmé après audition des ressortissants haïtiens impliqués dans l'assassinat du président, que les nommés Badjo et Jean-Joseph Joël, c'est eux qui ont fait le pont avec les policiers affectés au palais national qui apparemment complices de l'assassinat du président. Mais les policiers sérieux ont décidé pour abandonner les Colombiens. Après que vous constatez la route qui menait de Pèlerin pour descendre rive Pétionville, la route ça était bloquée. La police nationale était bloquée route ça sous ordre de Léon Charles. Donc, vous pas descendre. Et là, ça, selon enquêteur, Badjo et Jean-Joseph Joël décidé d'abandonner Nexel. Et Guinée, qui est arrivé, chapé pour vous, quand on connaît. Bon. Le nommé civil la guerre, coordonnateur de la sécurité au niveau du palais national. Et c'est lui qui a coordonné toutes les unités. Et il y a un responsable 4 là qui dépend de lui, responsable USGPN qui dépend de lui, responsable USPA qui dépend de lui. Civil la guerre continue pour dire que il n'est pas impliqué ni de près ni de loin de l'assassinat du président de la République. Il me l'a dit personnellement. Civil déclaré, Gary, comme il m'appelle, professeur. Je ne suis pas impliqué dans l'assassinat du président parce que le président ferme tellement bien. Je cite Civil Laguerre. Parallèlement, dans les auditions, Les interprètes, ils ont fait des révélations qui n'ont rapport, révélations sur lesquelles Badjo était en relation, en pourparler avec les autorités qui a dirigé unité spécialisée dans le palais national. Donc, c'est parole civile contre parole, monsieur, que vous arrêtez. Même pas qu'on est, si civil la donne, c'est le paradis. Mais toujours est-il, faut-moi dire, l'on est dans une situation difficile. Les Guinois cherchent à mélanger tout le monde. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, pendant que le dossier a évolué, Walter, Eddie, Olson, l'ambassade américaine a suivi de près qui vient à traiter, nous lui arrêter. Même Jean, Colombien yo a suivi de près. Jean yo arrêté ressortissant pour même yo et qui type de traitement que a ba yo. Et c'est pendant y a traité dossier yo, l'ambassade américaine est venue vous dire écoutez, moi gagné un ressortissant américain dans groupe là. Donc, il vient demander pour lui. Et nouvelle là, c'est qu'en fait celui qui coordonnait les unités spécialisées au palais national, civil la gueule, n'est plus haïtien
il est américain. Ce que les membres de sa famille m'ont confirmé, tellement saisi. Donc, la sécurité du président était assurée par un ressortissant américain. Donc, civil Laguelle pour avoir l'autre type de traitement parce qu'il n'est pas haïtien. Jovenel Doué pendant le cercle en Batéa, vous comprenez? Si Zoukri était à M.S.A.P.C. côté de lui. Bon. Ok, on avance. Il y a une autre nouvelle toujours pour nous, mais on avance parce que puisque je vous ai dit deux trois informations, je salue tout le monde là, qui est au réseau Capsule, mais écoutez, on suit plutôt. Et M.T.V., jeudi, parlez-nous de la corruption. Non pas de la corruption en général, mais surtout des données, des dossiers, je dirais, transmis par l'ULCC au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Bedford Claude. Tout le monde connaît que Haïti fait partie des pays les plus corrompus du monde. Les institutions sont corrompues selon un rapport du Bride en 2007 et l'USCC en 2009 expliquer qui gens, qui institutions qui n'ont corruption. Parmi les institutions, ça a été cité le système judiciaire haïtien, les douanes, le parlement, le gouvernement, la DGI, le ministère des Travaux publics, transports et communications, les partis politiques, etc., etc. Donc la corruption, il a faibli l'État, l'atrophié l'économie nationale. Dans ce sens, la corruption est considérée comme un crime. Aujourd'hui, nous allons donc parler de plusieurs dossiers liés selon l'ULCC à la corruption. Premier dossier, Ona Caribex. Dans le dossier ça, Ona l'acheté un ensemble de véhicules sans appel d'offres dans Caribex. Quoi Caribex et Mazda. Ouais. Le dossier c'est qu'en fait, Caribex t'a donné l'Ona 22 millions de gourdes. Au lieu que Caribex remette l'Ona 22 millions, ils ont fait, on a acheté 16 machines pour être capable d'acquitter de dette là. Et ça a fait sans appel d'offres. Et dans le dossier ça, ULCC a demandé à juge pour prendre mesure contre le directeur général ONA et accusé de pratiques commerciales interdites et complicité de passation illégale de marché public. Dossier 2. Le dossier de Port-de-Paix. Son dossier qui est lié au fonds les pétro-caribéens. Il s'agit de 5 millions de dollars américains. Ce gouvernement Matéli Lamotte, un vaste programme que le gouvernement mettait sous pied pour faciliter pouvoir que la mort comme dit atterrir. Vous songez bien ça pour la mort pour le gouvernement qui a atterri. Dans le programme ça, un dossier le plan spécial de port de paix. Côté gouvernement, tu as pris le travail sous réhabilitation du pacte Caporal Amort. Deux, construction de la route Myriam 1 et 2. Jusqu'au carrefour Gris-Gris. 3. Construction de complexes multisports à Mont-Caillou. 4. Réhabilitation des canaux et bétonnage de la tenderie. 5. Réaménagement de deux places publiques. Mon qui était en charge de dossier ça, selon le rapport USCCA, c'est le secrétaire général primature à l'époque là, M. Relé Lucien Franquer. Dans le dossier ça, ULCC a constaté que M. Ali Adam, qui est responsable à l'époque de UCLPB, il
il était versé 60% au contractant et comme il était de bail à monde qui va faire travail ça yo, c'était 30% selon ça la loi dit. UNCC conclut que Lucien Franqueur lui faillit à mission hein, et UNCC mandé à ce que vous mettez l'action publique en mouvement contre M. Adam et un certain Grégory Saliba pour détournement de fonds publics. Et Ari Adam lui-même, c'est pour abus de fonction et passation illégale de marché. Lucien Franqueur et Amio François comme auteur et co-auteur de trafic d'influence. Grégory Desravines comme instigateur de trafic d'influence puni par la loi du 12 mars 2011 portant prévention et répression de la corruption. Ça, c'est dossier port de pair. Bon. On a avancé là. Comment dossier ça là? L'autre dossier qui gagne, c'est le dossier Onamart, Onapharma. On a fait une émission tranquillement aujourd'hui à terre. Au départ, les cas fous ça, monsieur Abri. C'est un dossier qui est lié à la construction d'un réseau de supermarchés et de pharmacies. Il basait son prêt hypothécaire avec un taux référentiel parce que l'objectif final, on a, c'est pour permettre à l'employé pour l'acheter médicaments et produits alimentaires à un prix vraiment réduit. Sous bazar, Walter, il y a 770 millions de gourdes que on a débloqué et comme ça, mes clients les dispatchent. En face à là. Nous saluons parce que y a beaucoup déjà. Mon compte pour mon pays ça est. Le fait qu'on parle là, on y a les, si mal acheté une maquette là, mettre maquette là, il doit garder mal. On ne compte ça. Parce que vous voyez, il doit parler de ça. Mais oubliez, c'est une allusion ou pas qu'on est. Donc tout dossier là, si sur l'autre côté de parler, si vous allez parler, il y a un problème non. Mais comme ça, on fait ça mieux. Vous comprenez? Il est capable de fâcher. Mais désolé, ce n'est pas 10 maps, 10 maps, 10 maps, 10 maps, 10 maps. Il y a 770 millions. Et puis, si c'est si son bail, au contraire, il m'a tout profité d'inviter vous pour vous parler de ça. Si vous avez un avocat pour parler de ça, parce que vous devez défendre tête. Il y a 220 millions de bail extra maquette en face là. Propriété à M. Albert Christian Claude Jean-Louis. Gain 70 millions de bail à supermarché Gonaïvla, qui est comme propriétaire Madame Carmen Immacula Cantave, Maman Yuri La Tortue, qui est ancien sénateur et chef parti politique. Ah, ah. Troisième cobra, c'est 480 millions de bail à Delimat, qui est groupe régional Boulos. Pendant le dossier avancé, Maman sénateur Yuri La Tortue, dossier m'a pris à la dossier. UNCC a m'appelé. Maman, sénateur Yuri La Tortue, qui c'est Madame Katav, lui désisté. Lui dit il parle d'un encore parce qu'il n'a pas assez de garantie. Et enquête là, il permet de constater que le programme ça était conçu par M. Reginald Boulos. Attention, conception Reginald Boulos. Cependant, attention, cependant, je crois que dans ce dossier, l'ULCC péché. De les conversations que j'ai eues avec M. Reginald Boulos, et c'est à Boulos de le dire, c'est pas moi pour me citer non plus, la conception du projet était faite par un homme d'affaires, un homme du secteur privé, et actuellement qui a un parti politique, un mouvement politique. Je ne citerai pas son nom parce que l'Église n'a pas la même nom, c'est pas un message, il était bon pour me dire. Donc ça fait pas la même tout, parce qu'en fait, dans le dossier ça, moi j'ai besoin que Reginald vienne réagir. Et Reginald, dis-moi, et l'IGM a réagi en ce sens, nous avons parlé avec M. Madistin, qui a une émission spéciale que la BIN fait avec sur l'ensemble des dossiers présentés par l'ONA, l'original, dis-moi. Et l'IGM a réagi en ce sens, nous avons parlé avec M. Madistin, qui a une émission spéciale que la BIN fait avec sur l'ensemble des dossiers présentés par l'ONA, l'USCC, etc., concernant et client qui c'est Reginald Boulos. Et quand on me dit, il te dit, il concevoir le dossier. Et c'est lui qui t'a présenté le dossier, bah, ancien directeur ONA, qui c'est M. Reynald Benjamin. Mais Benjamin, t'es rejeté le programme ça. Et deux semaines après l'installation de M. Chestel-Pierre, de triste mémoire, programme ça, Chestel a accepté. Après rapport produit par l'UNCC, selon l'UNCC, les critères d'éligibilité n'ont pas été respectés. Ça veut dire institution ça, pas de droit pour dire l'argent ça.
Mais ça y est, c'est dit. Premièrement, dans le cadre de ça, M. Jean-Louis de Excel Market, il a dit bail comme frais de dossier 5 millions 200 gouttes, monsieur versait seulement 660 000 gouttes. Je vais reprendre le dossier ULCC. Deuxièmement, pour Delimat, il a dit bail 11 536 000 gouttes comme frais, il a bail 1 goutte selon ULCC. Pour faire la tortue, son dossier qui est inexistant, l'ULCC pas joué un rien qui a rapport avec Ferme la Tortue, seulement une lettre que je joue, que on a voulu balayer. Une lettre seulement. Vous comprenez ça, puisque pas Ferme qui était au départ dans la négociation, c'était dossier Maman dans Pito. Donc Ferme, c'est au cours de route, après Maman fin désister, monsieur la Tortue prend. Mais il continue pour nous dire toujours, Femnant doit débourser comme frère 1 500 000 gouttes. Seulement, non, et Femnant va débourser rien. Non seulement dossier de frais pour te débourser, hein, l'on a perdu 7 863 000 gouttes. Maintenant, l'ULCC fait constat et décide pour suivre trace l'agence. Ça a constaté, pas de aucun employé on a qui bénéficie de programme ça. Côté pour acheter médicaments moins chers, les opérateurs dans la market là pour acheter et puis vous avez un prix préférentiel. Un ça, USCC dit ça. Deuxièmement, M. Albert Christian Claude Jean-Louis, qui est propriétaire de la market là, il recevait 32% de fonds, soit un montant de 70 millions de gouttes. Comme ça, d'après USCC, il va investir dans même, je paye des dettes personnelles avec lui. 70 millions pour faire les organes. Il a cessé de dire 15% que le sénateur a utilisé pour payer des clés. Et le reste là, il mettait sous compte AAA. Comme contrat selon ULCC, son contrat dénaturé, et ULCC conclut son cas de détournement de biens publics. Pour ULCC, l'argent, ça a décaissé à des fins de détournement. Et on partit dans le cobla, tu es décaissé pour payer dette personnelle négio. ULCC condamné chez Saint-Pierre, moi, d'abus de fonction. L'ULCC condamne Yuri la tortue d'influence, de trafic d'influence. Il dit également que le dénoté dans le dossier, dans l'enquête que l'on a mené, relation qui était gagnée entre Yuri et Chesnel. Quitté dans le même parti politique. Pour Reginald Boulos, je ne comprends pas trop ce que ULCC dit, infraction assimilée. Et ça, on dit pour Reginald Boulos. Je connais. Donc, ULCC mandé pour mettre l'action publique en mouvement contre M. Sarr. Donc, à partir de cette situation, je crois que je dois recevoir plusieurs personnalités, mais en fait, moi, Maître Madis Labini, Reginald Boulos n'est pas en Haïti, mais il a son avocat qui parle avec qui dit Labini, mais j'ai là avec moi le sénateur La Tortue, bonsoir. C'est avec plaisir de recevoir une émission ça pour capable de défendre nous sous accusation que l'ULCC fait concernant prêt que maman t'a fait d'abord, qui les films fait prêt à lui désister et ou même au propre prêt pour faire la tortue. Bonsoir une fois de plus, sénateur. Bonsoir, GPPC. Et Gary, moi-même étonné de ça ULCC dit, puisque moi-même je suis allé devant ULCC et moi t'ai dit ULCC mes documents de ça que moi fait là-bas et moi t'ai invité ULCC à ouais ça nous fait avec Cobla. Et Gary, c'est le plus grand hangar de la Caraïbe jusqu'à présent qui fonctionnel, côté que au hangar de 50 000 poulets que tout est automatique. Moi, je vais vous document côté compagnie allemand, côté que nous faisons, nous commander en gare là. Moi, je vais vous document côté vous montez pour nous. Nous allons tout prix de ça que, eh bien, nous te fait avec moitié là comme ça, parce que en gare ça a coûté 500 000 dollars. Deuxièmement, nous avons trois autres en gare nous te fait, mais qui n'est pas industriel. C'est un gare artisanal qui a même tout coûté 500 000 dollars. Donc, moi, je pense que, là que vous êtes là, mon n'a pas de document bao li doit le visiter pour écrire ça. Ça confirme nous que rapport ça justement c'est un rapport politique.
Mais j'ai oublié une petite chose, là, si tu permets, à employer une aéro pour acheter des médicaments. Non. Objectif projet A, au départ, c'était ouvrir maquette. Maquette. Je t'ai invité ma maman dans la question. D'ailleurs, c'est pas où tu t'es invité. Non, c'est groupe là, qui était groupe Onamante là qui invité, qui dit que est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous pas ouvrons maquette. Eh bien, là, nous venons garder nous, c'est pas possible. Nous désistons. Nous étions quoi nous? Oui, parce que je dis ça, je dis oui, nous désistons. Mais maintenant, le groupe lui-même, qui t'a gagné justement, qui ouait que nous désistons, que pour GA, il a tombé parce qu'il consomme, ils ont demandé nous, est-ce que nous avons fait l'autre côté? Nous disons non, ils sont fermes que nous gagnons. Et ils ont demandé pour que ferme là, il rentre dans la question. Ils ont écrit officiellement. Oui, moyennant, réunion faite avec eux. Mm-hmm. Ok? Moyennant que Zéa Mabaili a pris et spécial à employer à travers Extra Market et à travers Delimart. Ce que je fais, ce que je dis à, et que Zéa est disponible dans Market Sayo, puisque je me dis 2 ans, pour me faire agrandissement. Parmi les Gary, je me ferme qui te produit 50 000 œufs. Je dis à, pendant ma parole là, nous faisons 150 000 par jour. Ok, à l'aide de extension ça qui fait et après extension ça nous arrivé mettez eux disponible dans market ça au point payeur. Ça veut dire vous mettez plutôt 70 millions. 70 millions de coûts. Alors tout 70 millions par entrée parce qu'il y a les frais de notaire qu'on paye tout ça. Est-ce que c'est même comme ça que vous avez prêté dans le premier projet? C'est même comme là que vous avez prêté dans le premier projet. Le premier projet a nous désisté donc vous venez demander puisque comme là est disponible est-ce que bon l'autre market ou l'autre bagage que nous avons fait puisque nous désigne pas faire le gonaïve. Nous dit que son ferme nous gagne. Et que ferme là nous d'arrêter à grandir. Et le directeur de l'ONA vient répondre, il dit que, eh bien, avec yo d'accord, qui est chez celle? Chez celle. Mm-hmm. Yo d'accord pour ça. Ça prend pile de temps, regardez. C'est 2 avril 2017, yo désisté, yo parlé ça avec. C'est en janvier 2018, yo va y prendre. Donc, chez celle lui-même, il dit que déposer tout papier au cas où parce que ça nous fait à Gary, c'est ça où un placement garanti par une hypothèque. Puisque nous arrivons, tout que au bon moyen. Car il n'y a pas taux préférentiel. Mm-hmm. C'est taux 3%, c'est taux agricole. Mm-hmm. Parce que moi, je suis un agro-industriel bien. Donc, je n'ai aucun avantage. Même si j'ai entendu ISC parler de trafic d'influence, je me dis, côté ceci. Trafic d'influence, c'est là que il y a bon bagaille que ou pas mérité. Mm-hmm. Son faveur. Mais qui ça, il a expliqué le trafic d'influence, où tu es sénateur en fonction. Et que dans l'audition, on dit, et monsieur est dans le parti politique, où, et que c'est où, que, qui même proposé, comme directeur général, vous estimez que c'est ça le trafic d'influence. Au contraire. L'autre est dans le parti politique, moi dis yo que il y a 3 moun yo désigné dans le parti et pas moi désigné tous les 3. Mm-hmm. Et c'est le président qui choisit au moun dans 3 yo. Dans 3 moun. Ah oui, c'est pas ou dire mais qui moun. Non, et puis c'est pas Kassa dans le parti, me dit ça tout et pas moi te désigné chez seul. Parce que dans le parti il y a plusieurs moun. Ah, ça veut dire 3 moun yo pas OK. Exactement. Donc ça c'est yon. Deuxième bagage. Ça va te servir vous hein? Ça va te servir vous le fait qu'on va choisir là. Il va te servir vous là, il servir l'autre moun. Exact. Oui, kounia, il va pas te servir. Il va pas te servir. Deuxième bagage. Le nous fait en rete dans la définition des gars, trafic d'influence. Moi dit ou bénéficie au bagage qu'on pas mérité, on pas mérité. Yo bon taux normal là c'est 3%. Alors que des prêts dans l'ONA, il va gagner tout. Est-ce que vous comprenez? C'est ça yo qui faveur. Deuxièmement, garantie que m'bail pour me prêt à niveau 1.5 comme là. OK. Et puis qui ça va comme garantie? Non, garantie terrain. Garantie terrain. Oui. Okay. Troisièmement, moi même c'est un monde qui est régulier dans remettre comme là. OK. Donc depuis vous prêtez, c'est remettre l'obligation que tu as lorsque tu vas prêter remettre. Donc on pas bénéficier d'aucune faveur. Donc pas un lien de pénal non dossier comme ça pour que il y a acheminé là encore Gary ce n'est que politique. Je dis pas un dossier et dossier du tout dans l'ONA. Oui. Si, si on partage un dossier pas dans l'ONA, moi tombé dans nu. Premièrement, groupe qui invite là dans projet, OK, c'est groupe ça qui parle à l'ONA. Ça c'est un. Deuxièmement, qu'est-ce qui écrit au prêt qui voyait autorisation pour dire que passer près ça à ferme la tortue moyen dans la déposer toute bagaille caï notaire c'est le directeur général ça c'est deux tout l'autre dossier me déposer caï notaire depuis le 22 février m'a payé chaque mois hein 2018 jusqu'à ce jour je me rate au mois m'a connait si qu'on est là dans le dire un dossier m'a ça m'a demandé non gien pile dossier me déposer caï notaire yo m'a dit me déposer caï notaire moi même m'a payé chaque mois en côté ça pour yo te dit bail là pour me prêt à déposer toute caï notaire. Est-ce que le, vous avez payé 1 500 000 gouttes comme frais pour le dossier? Parce que l'ISC dit lui-même, vous pas payé comme ça. Non, vous payez ça, laissez prêt hypothécaire. Mm-hmm. Laissez prêt hypothécaire, il y a de quoi pour payer. Mm-hmm. Moi-même, c'est un placement garanti par une hypothèque que nous avons. Parce que, regardez, si moi-même, je fais un prêt hypothécaire, je n'ai pas besoin d'employer un avantage.
Si la radio a la, disons, font prêt, on fait prêt, on paye l'ONA. On n'a pas besoin de faire employer l'ONA, venir parler pour grand-messi. Non, parce qu'on paye. Moi-même, non seulement que nous avons garanti, mais employer l'ONA, il y a gagné, eh bien, avantage de gagner à partir de 2 heures. Mais, quel produit? Dans le dossier, ça, oui, il a cessé dit, extrême enquête, qui est 32% fonds, 70 millions utilisés pour régler dette personnelle de M. Albert Jean-Louis. Il dit, comme il n'a pas investi vraiment, c'est dette qui paye avec. Bon, permettez-moi pas aller dans le dossier extra, permettez-moi arrêter dans la ferme là. Ouais, parce que je pense que M. Madissin, qui est justement avocat, il va parler beaucoup plus. Moi-même, moi je voulais simplement dire que dans le dossier. Mais est-ce que comme ça, comme vous venez, c'est où investir dans la ferme là? Ou bien régler le bagage avec? La rime d'un mois, regardez la ferme là. Ou soit je me défends, je n'ai pas ouvert. Ou je me défends, je n'ai pas ouvert. Ou soit je n'ai pas ouvert. Gars, il a nous dérapé, toi encore, nous dégagez. Dégagez toi encore. Ok, qu'on y a, nous avons 7 hangars plus 1 hangar industriel. Production de tout, Gary. Nous sommes de 50 000 à 150 000. Et moi, j'ai invité, justement, monsieur, à regarder et nous débattre tout papier comptabilité de ça que nous acheté avec Cobla, toutes les dépenses que nous fait investissement à partir de 1 million. Oui, oui, je vais regarder dans le dossier là. Il y a parlé de trafic d'influence dans le groupe. Oui, et ça, monsieur, dit, vous pouvez. Mais, Gary, trafic d'influence, c'est le bénéfice en bagage qui sont faveurs. Ok, par rapport à la position. Où qu'on est qu'on rapport Gary et que ULCC fait avec l'inspection générale des finances et puis quoi qu'on l'autre unité encore. Où qu'on est, il y a presque une centaine de monde. Quel rapport ça? Une centaine de monde qui va même payer l'ONA, donc qui prend prêt qui va jamais payer. Mais il y a pas jamais dire rien à monsieur. Ah bon? Il y a pas même. Non seulement il va me dire rien, il va me demander obéir. Sauver. Et le rapport est là. Qui sont les dix là? Gary, c'est pour montrer que. Mais c'est qui sont politiques? Tout n'est que politique. Parce que Gary, laisse-moi te dire. En prenant exemple, on est dans la classe moyenne qui monte en compagnie avec les difficultés qu'on connaît. Ça, ouais. Maintenu en production de 150 000 par jour. J'ai dit là, alors l'aide de 150 000 là, le compte 90-92%, toi qui a varié en fonction du jour. Maintenu ça, une deuxième plus grosse compagnie après Haïti Boller. Mm-hmm. Et puis, c'est ma promette chaque mois à l'heure, moi mettre comme là. Mais c'est un plus bon client de. Directeur général l'avait dit ça. Malgré le dernier problème, avec les sont plus beaux clients. Donc, Gary, et vous, c'est cas ça qui sont cas de réussir avec un négo à poursuivre. Ça dit que, l'on dette, seule obligation qu'il y a d'après la loi, c'est payer Cobla. La payer. Est-ce que l'on peut être comme Melona ou qu'a décidé de faire sauver la Cobla, même si Cobla est un long projet? Bon, habituellement, des prêts ton Cobla sont bien que liés, ils viennent pas haut. Obligation gain, c'est vous-même. Maintenant, capable, moi j'ai prêté pour augmenter la capacité faible. Et c'est ce que nous avons fait. D'ailleurs, moi j'ai dit, moi j'ai une journée porte ouverte, le ULCC va aller. Moi j'ai montré mon installation, ça me dégage en vent, et après 2 ans qui s'en vient, et qui s'en produit. Et Gary, sans dire, aller dans toute maquette, c'est eux, ferme la toiture. Tu as dit, tu as vu? Mais Gary, pratiquement, dans nos situations, pour nous offrir, prêter quoi qu'on y a, pour ouvrir, pour les manger. Parce que, écoute, au niveau national, politique agricole, moi j'étais dans des présidents journal dit ça, il dit tout nèg qui rentre dans production nationale, m'a fait jeune comme prêter pour arriver dans niveau de production besoin. Bonjour dis à mon monde qui prête ton corps, qui pas dans domaine là, gars, pas dans domaine, qui pas dans domaine là, qui qu'on y a poussé question pour arriver là. Et puis qu'on y a c'est en persécution que a fait chaque jour avec un dossier, donc il pas reprocher ferme là au mois que il va payer comme là. OK. Là, peut-être pour qu'on va tenir dans faire émission sur ça. On pas aller. Par assassinat de Jovenel. Attendez. Ça, on comprend. Gary, son bail qui est choqué. Ouais. Parce que, Bamzo, et où t'es qu'à l'île dans l'histoire d'Haïti, comme président, qui a un problème. Mais, ça arrivé là, son bagay qui était désamorcé. Nous, parce que nous avons bataille avec l'idée de l'accord pour Jovenel aller. Li choqué nous du point de vue. Des cadeaux global démocratie parce que ça arrive Jovenel là qui arrive n'importe qui est-ce qui vient président après ça c'est premier bagaille que moi l'arrivé pas de monde qui était attend non mais comme ça mais la deuxième chose Gary pas oublier me tout réflexe sécurité c'est plus de 500 monde qui a protégé le président avec facilité que bagaille ça arrivé ça veut dire que moi des cadeaux pas monde qui protéger dans pays. Non, non, mais moi qui aspect, je comprends ce que tu as dit, mais comme on sont militaires, est-ce que quand même,
viol mourir. Comme si vous n'avez pas dénoté des complicités internes, parce que c'est quand même bizarre. Non, Gary. Comme militaire. Moi, je pense que Jean lié là, tiré qui fait au bagon monde qui tombé devant la sécurité. Je ne pas à quel niveau, mais pour une complicité. Parce que, écoute, même si vous gagnez 5 agents de sécurité devant, vous avez force plus grande qui a attaqué, mais vous tombez. Vous tombez. Mais là, vous partez de monde blessé. Mais écoute, bon, maintenant, vous n'y avez pas. Le ou la police ou dans le militaire, loi pas sur la sécurité, un VIP, ou un devoir de protection. Mais en fait, qui ça pour nous fait pour tout le monde accepter le livre? Ça c'est plus grave toujours. Ça c'est grave. Et c'est ça fait, gars, nous dit faut faire une enquête là. Oui? Il faut un résultat de l'enquête là pour qu'on comment question ça a produit, qui ça a arrivé. Parce que nous avons parlé de complicité, mais il faut comprendre. Oui, les chiens complicité. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai 3 unités. J'ai 4 périmètres dans la question du président. J'ai 6 mots, j'ai UGVN, j'ai 4 teams, j'ai USP. Pour sauver le président, USP, c'est pour sauver le président. Moi, mais ça ne va pas comprendre. Si le président a brûlé, le téléphone. Le téléphone. USP doit être prêt à l'autre côté. À l'autre côté avec elle. Oui. T'as dit beaucoup parler de défense, l'autre unité ou non. Mais il faut que quelqu'un qui est prêt pour avec elle. Bon, monsieur Gouga, où est le cortège président? Dans le cortège président, il y a le lead car là. Le lead car là, c'est machine qui est devant. Il y a machine, on machine police avant. Il y a le lead car là, il y a machine président, il y a fallo car là, et ainsi de suite. Machine président, c'est la donne, il y a USP. Oui, ouais, monsieur Vavel. Monsieur Vavel. Machine derrière, il y a USP. USP tout. C'est après fallo car là, où jouent 4 teams. 4 teams. Donc ça veut dire que. Défend. Il a tiré beau 2 machines ça, l'autre machine, il a couvert machine ça. Machine ça. Next, on descend, il y a la velle. Et si yon yon côté que yon ka sauvé à 2 machines là, yon qui t'en exil, l'autre n'y a bataille, yon yon y aller. C'est même entraînement ça, en Dakar là. En Dakar là, yon attaqué pendant yon GPN 4 team à bataille, n'y a yon yon côté de repli, yon la velle. Et l'on regarde des questions qu'il y a là, yon te ka repli, yon te ka yon côté ou même volé mieux à l'aise, oui. Y a pas eu cette réaction, c'est comme si, à un certain moment, yon te yon se président qui a défendu tête li. Pour contre lui, oui. Là, vraiment, yon un mystère. Oh, voilà. Il faut élucider lui. Parce que si bah, ils ne sont pas élucidés, n'importe qui président. Non, ça me pose une question. Depuis, pas clarifié, je n'ai pas besoin de quoi, je n'ai pas besoin de trois, besoin de président. Non, à moins qu'une mission suicidaire. Oui, parce que à partir du moment que vous avez un système comme ça, parce que le système s'est établi en 1994. Avant 1994, il y a les casernes de Saline et le palais, et, les gardes, et le palais national. Garde palais, garde caserne. Garde caserne. Fait Wall UGPN, Gad Palais, oui, Gad Palais, il a fait Center Light, c'est-à-dire c'est lui qui devient président. Le Américain vient voir l'armée renvoyé, il vient faire NPRG, National Palace and Residence Guard, qui en français c'est UGPN, il fait 4 teams et il fait USP. Donc, il fait 3 courses à eux, il renouvelle les questions de sécurité présidentielle. Il reconduit à la manière française et américaine. Donc, et en dans unité ça, il y a 522 monde, du moins l'homme là. Dans 522 personnes, les gens qui ont dit qu'ils sont actifs, c'est la musique. Oui. Dans cette musique-là, on a ça. Mais, gars, il y a 400 personnes qui ont protégé vous. Avec un roulement normal. Et des gens qui ont frais, ou censé minimum assurer la sécurité. Mais cependant, il y a une mauvaise habitude qui est dans l'unité, que je me dis on le retire et me défend une recommandation. Détachement. Détachement. Gary, comment vous voulez? On est qui dans la sécurité présidentielle, il va faire sécurité au directeur général. C'est pas le réflexe. Parce que si au directeur général, on a là, Gary, on ministre qui est rentré, ok, il rentre, il vient saluer le directeur général là, nèg la connaît, si son ministre qui vient, il va même bloquer. Alors que le réflexe nèg sécurité présidentielle là, pas de monde qui rentre. C'est sauf président pour la l'homme. C'est vrai ça, m'étonne, oui, moi qui était dans la sécurité présidentielle, m'étonne au monde dit, ça dit, et puis tout est bas de bas, mon cher dit, il a venu devant, ou arrête, dit, il n'a qu'à rentrer, mais c'est pas ça, il n'est pas autorisé à rentrer. Donc comment font les gars dit, deuxièmement, il prend la sécurité présidentielle là, moi il a fait des opérations de circulation dans la rue. Moi, je suis dans toute opération. Non. Sécurité présidentielle, c'est un seul entraînement. Protéger. Défense palais et protéger le président. Faut le répéter chaque jour. Dans une des programmes de 8h à 4h, même des assistants commandants de l'UGPN. 8h, 10h, sport. 10h, midi, cours. Midi, 2h, break et repas et repos. 2h, 4h, opération SOP. Standard Operation Procedure. N'a pas l'air. Ça veut dire que n'a réagi. Simulé. Voilà. Simulation. Chaque jour, je me fais le donner à vendredi. Bon, je me dis, commandant canadien, ah, mon cheval, ils ont fait. Je dis, jamais. Je dis, dès que vous faites, on se met dans le réflexion.
Donc, moi, pas qu'à comprendre que Nexayo, c'est des opérations de circulation, des opérations de police. Quelles sont les responsabilités du coordonnateur et des responsables des unités spécialisées de la mort du président? Le chef est responsable de tout ce que fait au moment de faire ses ordres. Le premier responsable, c'est le coordonnateur. Ouais. De toute façon, même si ce n'est pas en négligence ou en complicité, il faut y aller. À un deuxième niveau, après le commandant d'unité. Parce que, dans le palais, il y a un coordonnateur, ISPA, c'est le coordonnateur, toute sécurité. Toute sécurité. Oui. Donc, ça dit que monsieur qui a première responsabilité, et après responsabilité, au fur et à mesure, de, après commandant, c'est officier du jour, il y a deux services, je vois. Mais qui pas de service, il y a moins de responsabilité. Ouais, mais il y a certaines responsabilités que le gars a. Mais il y a moins de responsabilité parce que le pas de service, je vois. Mais toute la sécurité aujourd'hui sont faillites de la sécurité des incendies. Faillite totale. Et non, acte que m'expliquez, le responsable du RGPN est arrivé. N'est-ce pas fin sorti qu'un président? N'est-ce pas expliqué que le pensée président de la a fait bac? Est-ce que son comportement d'autorité ça pour faire bac pour quitter n'est-ce pas sorti avec machine pour avoir plus d'espace pour le détail? Ça dit pas le RSEC là. Gary et. La ma stratégie militaire. Je ne vais pas analyser le comportement de personne. Mais moi-même, je suis arrivé sur les lieux. Je vais engager le combat. Vous comprenez ça? Mission principale, ouais. Chaque monde a réagi en genre. Mais là, on parle à mieux dans la tête. Oui, c'est pour ça que je me pose une question. Je vais arriver à engager le combat. Parce que mission principale, c'est pour protéger Mounsa. Et si Mounsa n'a pas, c'est pas un engagement à faire. Qui capturait? Non, du tout. Parce que ce débat est tuel, mais qu'est-ce que vous faites quand vous avez capturé le donc, si là, il faut flancher pour honnêter les gars. Moi-même, moi, passé par réflexe militaire, je vais engager le combat. Maintenant, si je deviens frontal, moi, je vais négocier, vous-même, vous avez plus de force que moi, je vais faire enveloppement. Parce que, pas oublier, maintenant, tu es que quand il est président, son côté, moi, je m'habitue. Comme unité, il a chaque jour. Donc, si je viens de mon force à venir en frontal sur moi, je fais enveloppement. Ouais, je fais enveloppement. Oui, à puissance de feu, je pique au zone. Et c'est la seule, je fais enveloppement. Même d'être obligé d'engager le combat, parce que moi, je pensais que si je suis en action, c'est moi seulement qui là. Exact. Robert? Tenez, c'est à toi là tout. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il faut réévaluer l'unité et. Il faut qu'il y ait leadership et il faut qu'il y ait des changements qui opèrent rapidement parce que après ça finit comme défaite grave, il y a un signal unité à bail côté quel que soit mon nom, que ce soit ministre, directeur général, président, etc., pour avoir un problème de confiance total. Bon, je ne vais pas songer si en décembre 2018, tout est vrai, 10 recommandations. Puis quand on a confondu le sénateur là, toi, tu es un politique avec le lieutenant. Il y a un militaire qui comprend la responsabilité. Par rapport à une situation. Premier bagaille, moi j'ai dit sous question unité ça. Moi dit que yo va aller très mal. Depuis le yo t'ai dit que unité ça yo mettait machine pour yo rebaille yo parce que unité yo bon mission bien spécifique. Et ouais je dis à là, yo obligé refaire question ça. Yo obligé refaire unité ça par rapport à ce que habitude yo te gagner, yo devient d'être de mission. Bon tolérance qui fait dans le fonctionnement unité ça yo. Yo dévié de mission yo. Crime grave ça vient arrivé là, jodi a obligé regarder en l'autre. Obligé regarder sécurité présidentielle là de la tête aux pieds en l'autre. Parce que pas de confiance là. Pas de confiance et deuxièmement ou obligé reconnaît que son unité spéciale les grandes missions spéciales. Affaire de URGPN qui tout quoi URGPN. L'heure où se travaille à 4 gars, c'est un civil qui est dans la rue. Il n'y a pas de jambes de qui est-ce qui est dans la sécurité résidentielle. Uniforme ou dedans, ou vendement dans l'op sorti, zamou mette en côté ou sorti. Et n'est qui de service là seulement. Et on doit être dans le cortège résident. Pas n'est qui campé, par exemple le président a sorti, et puis on voit URGPN campé. Bon, c'est un peu pas vrai. Ça, c'est pas URGPN. Ça, c'est le deuxième, ça, c'est le quatrième périmètre là. C'est Simon Couvel. Oui, c'est mon circulation. Autrefois, les gens qui ont là, on regarde, on va bien, Gary. Jean-Claude Duvalier. Ou pas, vous n'avez pas fait circulation, non. Il y a une circulation qui est moto, service sur la route, et puis, next center là, il y a des présidents. Parce que il n'y a pas qu'un service à. Service à son service administratif. Il y a un service spécial. Même j'ai un Gary Matissan qui pose là. Matissan, tout le monde confond, il y a attaqué sur route. Sur route là. Fais pas sur route là, problème là. Non. Problème là.
problème là où il y a trois gangs qui ont frappé. Il y a une gravine, il y a Tibois, il y a un village. De temps en temps, il y a le bataille sur route là, c'est le lieu de terrain principal. C'est là toute économie a passé. Donc ça veut dire une bataille en termes de conquête d'espace. Conquête d'espace. Mais il n'y a pas dormi sur route là. Il y a la caillou. D'ailleurs, la caillou, ça vous fait, il fait trancher, il fait pour s'avancer, il protège. Donc soit le bataille sur route là, il y a trois tanks. Et puis, Mdando dit, où occuper le commissariat? Ah, bon, il y a plein de montagnes. Parce que tous les trois, venez pour occuper zone dans. Pour occuper zone dans. Donc, bataille pour faire, bataille d'opération, c'est dans le lieu côté de sortir. Démantèlement, le même côté de vete garçon sur vous, à le bataille avec un lieu. Lors démantelé, non seulement il va porter, il va capoter les armes pour vous, il va prendre courir, il va arrêter ça pour arrêter, et puis là, ça opération sur vous, là, c'est opération de police. C'est attentif. Bataille contre Jovenel, là, c'est une bataille. À dire, écoutez, nous-mêmes, nous sommes passés. Et puis maintenant, pour une partie de l'opposition, tu crois que Jovenel son dictateur, le mandat était fini, et surtout, le mandat M. Demet Ferravel, où tu es maintenant bataille titanesque contre Jovenel dans son sens. Elle dit que c'est Jovenel qui était principal, et on avait dit adversaire. Jovenel mourit. Nous remarquons que nous n'avons pas qu'à attente. Qui ça constitue un véritable problème, non, je dis, puisque Jovenel n'est plus, il y a un premier ministre qui a été nommé. Donc, qui ça problème qui ne pas qu'à entendre nous pour une bataille internationale là, une image de cohésion parfaite et que nous connaissons ça la vie fait. Il y a deux bagailles qui problème dans le. Premièrement, une mauvaise compréhension de la situation. De la part de qui? De société civile et de l'opposition. Ok. Parce que l'on regarde où est des groupes dit. Ils vont le présenter en président, en premier ministre. Ils ont fait la révolution. Ah, parce que c'est fait couder. C'est ça, ça me dit. Oui, tu reviens parce que. Donc, nous pouvons vous voir. Ou pas qu'à jeudi, comme groupe, ils vont le présenter en président, en premier ministre. Non. Non, qui bon. Ou pas qu'à faire parce que situation privée là, son assassinat, tout le monde choqué par sa privée là, et n'a cherché un consensus. Donc, ou pas qu'à dire, on va présenter deux mondes. Deuxièmement, il faut le voir, on lutte pour le pouvoir même dans l'opposition. Côté que. Il y a des gens qui pensent qu'il faut représenter au monde eh bien, par rapport à ce que proximité. Moi, quoi que, je dis à Sacrivé Lagari, nous pas fait la révolution, il faut un consensus avec le parti au pouvoir pour la gouvernance. Pour la gouvernance. Et c'est ça, nous avons fait dans le protocole de tout là. L'homme a choisi Ariel comme premier ministre qui était nommé par Jovenel. Mais enfin, nous avons dit nous pas là-dedans. Pour que ça nous choisir, parce que bonne situation grave, et nous pensons qu'il faut faire un consensus entre Ariel et. Sénat, qui sont institutions, qui sont seulement 10 personnes qui sont élus là-dedans. Parce que, gars, l'on me dit que la prend pouvoir pour toi, ça, qui légitime. À qui légitimité. Qui peut qui bon légitimité pour dire que c'est où quoi le faire. Si je dis le café, je dis le café tout. Donc, puisque légitimité, ça, c'est à travers 10 élus seulement gagnés, nous appuyons sur la résolution Sénat pour le président provisoire et Ariel, qui te gagne une certaine légalité, nous balions notre légalité par le fait que nous-mêmes, partis politiques, nous venons à Biel. Malheureusement, Ariel ne pas comprendre ça. Non, et pas Ariel qui va comprendre. Là, obligé de comprendre. J'ai l'impression que le schéma de l'étranger, de l'international, pour qu'on arrive dans le niveau que nous-mêmes nous réfléchissons. Pas parce que c'est Ariel, personnellement. Mais ça me débute pas là-haut, en fait. Là, nous-mêmes, dans le schéma Sénat, bon parti en opposition qui dit au même baladin et pas dans sa rue parce que Sénat va gagner légitimité puisque le Sénat est dysfonctionnel. Il pensait qu'on va vraiment large et puis faire plusieurs propositions pour gagner l'autre monde qui vient président provisoire. Regardez les propositions universitaires là. Ouais, jusqu'à présent nous-mêmes nous étions attachés à protocole d'attente là. Mais la proposition de l'université Bernard Gousse et autres, moi pensais son proposition qui bien charpentée. Et moi-même, hier, je me dis, Lambert, rentrez dans le mécanisme, même si il y a l'autre qui est candidat, pour que nous remettions en question ça nous fait. Non, je ne vais pas rentrer là. Moi, je me dis, rentrez. Oui. Parce que, on s'arrive, son position équilibrée. Il a tenu compte de 10 sénateurs. Oui, mais. Parce que, il a tenu une légitimité, mais il a tenu compte de sénateurs, ça. Mais c'est un mandat. Et nous sommes en démocratie. Donc, je dis à moi penser que, fort opposition, faut nous mettre notre tête, non, que nous n'avons pas fait la révolution. Il faut un consensus. Moi, j'ai dit à l'opposition, nous allons opérer par étapes. La transition de rupture, par étapes. La première étape, il y a un consensus pour que nous fassions un minimum. La libération des prisonniers politiques, un nouveau CEP, un audit de la CAF, la sécurité pour tous. Pour arriver. Est-ce qu'il faut un président pour faire ça? Moi, je pense qu'il faut avoir un président. Tout le cadre légal haïtien se base sur. Un exécutif bicéphale. Et pas oublier que le président a des rôles personnels. Il y a des rôles de président seulement qui fait. Pas qu'il y a l'autre monde qui fait. Nous obligés de rester dans le cadre bicéphale. Maintenant, l'opposition, moi-même, moi pensé, avec ce minimum, doit faire un autre sacrifice. Il doit se rassembler pour les élections. Bien sûr. C'est pas rassembler à Bakri. Oui, mais ça qui veut. Mais ça qui. Ben, un petit problème.
bon parti de l'opposition qui est une logique de prise de pouvoir. Pour qu'il y ait un moyen financier pour l'élection. Et c'est ça qui fait le compromis est difficile. Ah, oui. Ça va la donne. Ça va la donne. C'est une bataille. Oui, il y a une bataille. Mais si la bataille, ce n'est pas pour venir prendre place l'autre là. Si la bataille, c'est pour nous dire, on nous fait un bagage, on l'autre genre. D'ailleurs, tout le monde qui fait la bataille, regarde, par contre, on recevra toute la transition de rupture. Oui, oui. Ça veut dire que transition de rupture, c'est l'application de la loi, oui. Donc, si nous disons appliquer la loi, premièrement, c'est l'exécutif bicéphale. Mais deuxièmement, si on y a une prendre place avec la loi, on va prendre quoi pour mal l'élection. Et bien, on fait même Javel. Même Javel. Pourquoi ne pas renforcer Ariel? Ariel, nous reformatons un nouveau gouvernement, et puis nous mettons structure là, nous disons CEP, nous disons même qui va dans CEP, etc., etc. Pourquoi il faut que de toute façon. Je vais te dire ma position. Je ne serai jamais un élément de blocage. Parce que à côté de Rivé là, tout autant que nous avons bloqué le FEIAP effondré. Moi-même, je suis pas au principe pour un exécutif bicéphale. Ouais, pas au principe. Mais je ne serai pas un élément de blocage. Parce que moi, je rends compte que le monde qui a sorti dans le sud, qui a tombé Matissan, moi, je rends compte que comme ça, qui a dégringolé, il est obligé à faire injection sur le marché, malgré tout. Moi, je rends compte que dans la province, l'école va l'ouvrir, je rends compte que il faut qu'il y ait des sacrifices qui fait. C'est peut-être ça me dit. Moi, je suis un idéaliste, même réaliste. Réaliste. J'ai un idéal, oui, arriver vers une rupture dans ce pays. Mais la réalité. Ça veut dire, Glenda Dubou, si c'est un exécutif bicéphale, pas de problème. Mais si pas de possibilité pour faire, c'est une force, cette situation, pour aller, on peut se faire aller là-dessus ou pas. Oui, si c'est ça l'accord de tous, je ne vais pas bloquer, moi-même. Parce que je dirais que dans le cadre légal que je voulais faire, la réalité, justement, demander à ce que mon transition que vous me faites pour ne pas bloquer le pays. Qui ça la loi dit, oui, le président par là, et dans combien de temps pour faire l'élection? La loi dit, le président par là, il faut réaliser les élections dans 90 à 120 jours. 90 à 120 jours. À 120 jours. Ok, d'accord. Dépendant de la situation. Mais vous avez besoin de 2 ans pour faire l'élection? Alors, parce que c'est ça qui pose problème. Alors, le président provisoire l'estime que c'est un droit pour lui, et c'est pour ça que l'étranger, l'État national, pas voulu rentrer dans la logique. Alors, forme de tout, loi qui dit 90 à 120 jours là, il était prévu en CEP permanent. Oui. Il était prévu que toute institution est à plat. Le ça, ou qu'à faire dans 120 jours. Mais je veux dire, on va gagner ça même. Même CEP, on va gagner. Donc, ça veut dire que la loi, c'est tout. 120 jours, la partie de charpente légale qu'il a. Alors que là, nous n'avons aucune charpente légale qu'il a. Donc, c'est peut-être ça. Pour nous compromis. Oui, pour entrer dans le compromis, dans le consensus. Et malheureusement. Moi, passé 2 ans, c'est normal, lui, pour Jovenel mourir. Et mourir, mourir. Oui. Suivez-moi bien, lui. Président mourir. Ok. Donc, une situation côté, tout le monde surpris. Et, il ne peut pas comprendre ça passé. Et puis, on peut mettre ton président provisoire pour remplacer monsieur que la loi n'a pas dit c'est lui-même nous font compromis pour ça veut dire au minimum quand même pour respecter mémoire nègre là parce que nègre comment vous voulez attendez moi je comprends privé parce que c'est pas le même mais comment vous voulez nègre vrai président et puis c'est pas tout parti qui décide nos logiques globales pour mettre ou vous avez besoin alors gars c'est sacré nous réduit à une situation d'effritement institutionnel c'est ça. Que moi comprends ce qu'on dit mais cependant il y a la lettre et l'esprit de la constitution moi j'étais dans l'esprit je connais ça me dit il va la lettre il faut une assemblée nationale si avait une assemblée on aurait choisi un président ça c'est la lettre maintenant comme c'est dit c'est lucré nous dit on allait dans l'esprit mais je vais te dire ceci il n'est pas légal parce que l'assemblée c'est la réunion des deux chambres donc on allait dans l'esprit parce que nous pas légal du tout on est qui ont parti politique. Et bien, les îles vite président provisoire. Et puis, partir de la balle d'élection. Non, mais c'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, non, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, bonjour. Les moyens listés qui candidatent. Oui, oui, mais pas normal. Non, moi, je l'ai dit pour. Égal blanc. Non, moi, je dis pas normal. Pourquoi on aime te soutenir égal blanc? À un certain moment. Mais non, non, pas le moment. Oui, parce que là, ça a nous te soutenir, nous te dit, monsieur, attention, ou à démissionner là, et que, ou même, on va m'occuper de questions parties. Et là, ça a été qu'on parle le monde, on a contrôlé des sénateurs. Bon, malheureusement, pas de bon. Mais maintenant, aujourd'hui, que nous vivons, pas qu'un sens de contrôle, Gary. Et puis, on est monté là. Ou bien, un parti politique, pour voir. Non. Mais le président n'est pas. Oh, quoi faire, pas président. En Haïti, je sais pas, demain, le président, bonjour, président. Non, regardez, c'est pas Mexico. C'est Gary, regardez, ouais, mais le directeur général, il a provoqué nous, il a fait tout le bagage. C'est ça qui va arriver, nous. D'ailleurs, on va dans la constitution, Gary, qui dit l'homme est un président, comme si on est qui président, disons, assemblée à élu. Non, dernière année, président. Je dis, il est réputé avoir accompli un mandat présidentiel. Ça veut dire qu'il a bouché grand. Même si il y a 2 ans, non, et même si il y a 2 ans le fait, c'est quand vous faites 5 ans, il y a une sécurité pour 5 ans. Quand vous, président, vous avez une sécurité pour 5 ans. Pour 5 ans. Il y a un secrétariat, il y a un frère. Tout va bien. Pour 5 ans. Donc, ça veut dire que même si son jour le fait. Donc, son bail a tiré le monde. La lutte pour le pouvoir. La lutte pour le pouvoir. Justement. Donc, nous-mêmes. Mais est-ce que Lambert n'est pas chef de parti également? Alors, Lambert a une légitimité pour le moment.
Ok. Ouais, je suis en légitimité. Et vous avez posé question ça. Oui, je te pose une téléphone. Oui, vous voulez me poser. Oui, il y a une légitimité que Edgar Leblanc a gagné là, que je gagne. Parce que moi-même, c'est élu. Oui. Donc, l'homme qui a légitimité, pas moi, il est élu. Pas même genre un chef parti politique normalement. Non, nous sommes sénateurs en fonction, mais nous avons une légitimité qui fait que nous avons parlé au nom de la République. Et puisque nous avons un pouvoir qui est basé sur une souveraineté déléguée, eh bien, le moi-même, moi sénateur, moi député, moi gagne un parti dans la souveraineté. À n'importe quel moment, moi-même tout, nous avons venu et comme on élu national. Nous sommes élus départementaux, nous avons élu national. Bon, on va finir avec nous. Où est-ce que vous sénateur, avez dit tout le monde connaît Jean-Yann Dabéa. Comment fait ça non à James pas de contact avant? Bon, il n'y a pas de juger l'opportun. Même si moi militaire, il va tout de même appeler là-dedans. Militaire, moi là. Mais vous monsieur, il a dit monsieur t'es pas allé, il dit nous a carrément. Non, moi même pas rentrer dans tout le bagage. Parce que justement, capable encore beaucoup plus critique. Ou alors militaire, eh bien, dans la tête, tout le monde pensait que vous êtes rentré dans tout le bagage. Oui, parce que ça semble, oui, parce que militaire. Moi, je ne vais pas parler en question, parce que je vais tout retirer. Parce que militaire, je me servi avec le NAF et interview là, pour me dire mes expériences. Ouais. Exact. Mais là, je suis un chef de parti politique, je suis qui non parti, démocrate, ma bataille avec l'arme de la dialectique. Par la dialectique des armes. Qui chance nous pour payer ça avec une certaine stabilité? Qui chance nous? Le premier bagage pour faire dans le pays ça, quel que soit fait, c'est la sécurité. La sécurité. Et, Gary Mabdou, sécurité n'a pas l'air. Actuellement, je nous n'avons pas même café social là. L'État pour café social là. Parce que l'insécurité tient dans gorge. Oui. Il faut qu'il y ait accès tout dans les zones où nous avons fait social là. Il y a accès. Gary Mabdou, nous avons l'État qui a joué avec bandits. Nous avons l'État qui a toléré bandits qui mettent nous là. On doit avoir un État fort et permettre que partout sur le territoire, l'État installé. Ou bien on est grêté, ou comprendre ça, ou remettre Zamla à l'État, laisse ça l'État comprendre ce qu'il a fait, ou bien ou capable de Zamla, mon cher soit, je mets dans la justice, soit tombé. Et l'État, ça, c'est pas l'État que le monde vient prendre pour parler en pile. Parce que, regardez ça qui a passé là, je ne sais pas si vous comprenez, ça qui a privé dans la zone Matisse, toute entreprise nette. Dans la zone sud là, il va se graser. Carrefour, tout le monde. Net. Économie nous, qui était très bas, qu'on y a une autre net. Est-ce que qu'on y a, nous, qu'à jouer à question ça pour la durée de mois? Non. Gary, on doit donner les équipements nécessaires. Blende ou pas bon? Bah, bon blende la police. On doit évaluer la sécurité. J'aime ce dire là. Si l'opération sur route là, il va ça. Il va là, problème là. Problème là, dans le lieu d'occupation des gangs. L'État doit tout retirer col de questions, grand Abdi, yo pré-ministre, retirer qu'on a fait ça. Et ben on pense tout. Oui, et l'État. Exactement. Comme intelligence là, Gary. Nous faisons ça. Nous faisons ça. Nous faisons ça. Nous faisons Gary, dès qu'on fait ça, on a privé nos niveaux que nous mettons l'ordre. À partir de là, moi, je crois que faut qu'on l'État qui rentre dans la question de développement. Mais faut qu'on l'État fort. On l'État fort, Gary, bon, l'État répressif, non? Son l'État qui dit que la barrière était un tel dans le village, deux policiers qui ont arrêté. Parce qu'il est sur le territoire. Mais à faire de que ou pas rentrer là, rien, vous n'avez pas besoin de chef dans l'État. Oui, parce que automatiquement tout, ou faible. Si moi j'étais là, soi-disant président, et puis à quelques mètres de palais, je ne vais pas aller, il faut mettre de l'ordre. Et là, il faut expliquer le bien à mon droit de l'homme, il faut expliquer le bien à la population que ça ne peut le faire, n'a fait parce que y a des nègres qui mettent l'État en défi. Nous ne pas faire parce que l'État répressif, il a besoin de craser les nègres pour la politique, non? Et c'est peut-être ça que je pense que l'État, il doit avoir un ultimatum. Nous allons finir, oui. J'ai l'impression, si on continue comme ça, on ne peut pas prendre pouvoir. Oui, il faut une unité dans l'opposition. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Gary l'a toujours dit, l'ambile n'est pas problème. Oh. Moi dit que si pas une unité, ni qu'un outsider, ni qu'un matéli. Oui. C'est pour fini. Outsider matéli. Si nous pas mettez unité que nous besoin, pour nous connaître, que tout le monde n'a pas capable. Et Gary me dit, oui. Je fais deux mandats sénateurs. Il est normal que je pense. Je suis un candidat à la présidence. C'est normal. Je fais deux mandats. Deuxième mandat, mais le premier tour. Si je suis dans le département, je suis là. N'importe qui n'est pas. Je ne sais pas qui a gagné plus de monde que moi. Cependant, si l'opposition veut mettre tête ensemble, créer une plateforme, je ne vais pas le candidat. Je vais aller comme sénateur. Oui. Parce que moi, je pense que je vais rentrer dans le programme, côté que je vais posséder, mettre un nom bagage que je vais mettre pendant 2 ans. Le problème, c'est que je n'ai pas perdu. Pas un nom qui a accepté. Ça veut dire que je venais.
contester depuis le résultat, depuis le bas résultat élection. Il pas correct. Moi-même, avec madame Anigagari, Matéli gagne. Et puis, quand il y a des gladiens, il faut mal bouler car il faut bouler car il faut bloquer. Comme ça. Ban comme tout. Oui, perdu. Mais ça, monsieur, là, mais quoi, ça passe. Sous ma télé, je venais dans l'élection, il y a un premier tour, il dit, monsieur, c'est faux. Nous mettons privé comme président provisoire, privé qui s'est proche de l'opposition, anciennement famille à Valas, etc. Monsieur, fait l'élection, monsieur, gagne. Mais pour ça, on conteste le résultat. Oui, parce que n'est-ce qu'on va te comprendre. Le privé te gagne, il était premier sous Negio. Te gagne Jules, ok? Te gagne Jules, te gagne famille Lavalas, ok? Te gagne Moïse. Il y a pas de question de fonds seuls, il a bien été mis sur non, il y a pas jamais gardé problème que vous gagnez. Il y a gardé on l'autre côté. Et puis, quand il y a chaque coup, il y a perdu, il y a pas de dire, c'est ma faute. Non, ça peut être pas bon. Ils sont tous de la gauche. Ok, que ce soit Lavalas et madame Maryse, que ce soit Moïse, que ce soit Jude. Pourquoi il va faire alliance? Il a gagné dès le premier tour, oui. Quand il y a, il vient aggraver car le privé finit. Population pensée, c'est au pouvoir. Il n'y a pas fait, population va être honnête et Jovenel gagne le premier tour. Ça oui, parce que Jovenel n'est pas perdu dans mon niveau. Le centre doit la doit être uni parce que tout le monde est mis derrière Jovenel, il y a même divisé. Mais comment faire pas perdu? Mais quand il y a là, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est le même passé. Si je dis à la, il n'y a pas arrivé à mettre ensemble, il a perdu. Et puis on va le connaître. Écoutez, c'est lui-même mal. Non, nous parlons pas d'une même histoire. Moi, je dis, depuis on est arrivé à mettre ensemble, on a perdu net. Parce que je dis, ce n'est pas intérêt personnel à côté. Nous constatons que la situation n'a pas marché. Nous constatons que PHTK a un pile problème. Et bien, il faut nous faire le sacrifice pour la population. Et quelle que soit la place où il y a, Gary, plutôt moi-même, moi, lieutenant, non l'armée fonctionnelle. Comme son général sans soldat. Mm-hmm. Avec tout le monde qui est général, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de l'armée, et puis l'armée, il y a un minimum, il va tout. Et ça arrive là. Donc, moi, je comprends que l'opposition doit tirer les conséquences également de ces conséquences passées. L'opposition doit pouvoir se réévaluer. Et c'est ça que je dis, il y a besoin, et pas de la faute dire. Et moi-même, dans l'opposition, je dis, je n'ai pas besoin de force, je n'ai pas besoin de rien. Mais je dis, il y a une parole, parce que puis devant, on perd du mal, on va retrouver ma voix. Non, c'est la démocratie, c'est comme on dit arrivé dans l'élection, yo bac nous parce qu'on divisé, on pas le remettre, on doit arrêter en dehors, même pas pas mettre en obstacle par rapport à ce pouvoir que nous pas trouver, l'idée nécessaire pour d'unité nous. On a fini qui message à ULCC et au commissaire du gouvernement. Bon, nous même nous pensons que dès que nous définis fait deuxième audition à ULCC, tu dit nous le comprendre tout même. M'a dit monsieur, c'est pas ça qui a résoudre le problème. Yo sont unité de prestige, une institution, vous devez garder ça qui n'a pas marché. Vous devez garder ça qui a bloqué mon politique. Au contraire, si vous avez essayé de visiter l'autre bord, ok, vous devez constater ça qui passé et féliciter pour ça qui fait là. Parce que ferme la tortue sont exempts dans ça, vous avez les productions nationales. Ferme la tortue permet que Jodia ait des entreprises haïtiennes qui à fond au niveau de production même genre en République dominicaine parce que premier ferme dans le pays Haïti bon c'est Amérique et Jamaïque non donc moi crois que et m'a dit jodi a que ça crivé a li dégoûtant li politique mais nous mêmes nous gagne avocat nous qu'a régler question parce que de toute façon nous pas jamais rété pour nous dénigrer institution yo ni la justice mais nous croit que ça il pas besoin arriver là parce que puis c'est c'était un débat tout papier. Deuxième bagaille, vous parlez de commissaire. Commissaire du gouvernement. Soit oui. Bon, moi parce que le commissaire du gouvernement, il a un travail que l'a fait. Leur institution comme ça qui yo même gon dérive à fait, faut lui même lui remettre question dans l'autre. Parce que c'est ça que belle, nous avons justice à double degré de juridiction. Lors on bagaille qui discute en première instance ou qu'à l'appel. Même gens les institutions qui ont même dépendent de paquets qui font bagaille. Je pense que le paquet a rétabli. Et c'est ça qui a botté la justice. Là. Parce que tant ça, Gary, tant ça a passé, le temps de la persécution politique. Moi-même, je dis, nous sommes pas là, comme nous sommes en opposition. Moi, nous, si l'opposition va respecter ça, vous respectez, je ne vais pas le camp en face. Nous avons tous nos mauvais perdants. Moi, je pense que même gens pour l'institution. Il y avait une période de persécution. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette période. Il fallait avoir, justement, moi, je dis, le recul nécessaire pour nous dire, bon, écoutez, ça, on a fait nous camper. En allant, ça a un problème. Nous autres, Gary, même sans ma bon rapport ça.
et c'est IGF et LCC qui fait. Il y a 100 monde qui prêtent comme là. Gros montant, je vais remettre. Bon, moi-même, je vais remettre, je vais produire, et puis, nèg là, c'est moi la banane qui chaque jour. Donc, écoutez, je suis un homme d'État, je ne vais pas aller dans terre à terre, mais je simplement dit, la justice capable de remettre l'ordre dans des autres. Merci beaucoup, sénateur La Tortue. Donc, on continue toujours avec dossier toujours de corruption, mais qui est lié cette fois-ci. Toujours à l'ONA, hein, qui est lié à l'ONA, mais qui gagne son bloc dossier que lui. Et rapport d'enquête sur la prise de participation de l'ONA dans l'actionnariat de la Real Business Investment SA. Mais, je voulais montrer tout le monde que moi-même, je ne vais pas inventer rien, je ne vais pas dire ça me pas connaître, parce que je dois rester professionnel. Donc, ça fait me parler de ça. Même si dehors, il y a une commission gouvernement, mais même si je ne vais pas parler de ça. Donc, voilà. Donc, dossier ça, c'est d'abord, bon, moi, lui, le 13 mars 2018, Real Business Investment SA, un partenariat que vous faites avec ONA. Son placement dans l'entreprise d'art et les RBI, d'un montant de 65 millions de gourdes à l'époque. 65 millions de gourdes, ça, dans la période que j'ai prêté l'Altevo, 1 million de dollars américains. USCC dit dans le rapport que le constater que l'agence ça, qui doit permettre que construit des logements sociaux au niveau de Fermat, au profit des membres de la classe moyenne, après 3 ans, USCC dit, l'ONA dit, il n'y a pas rien qui fait. USCC a gardé à l'ORBI, l'a cherché pour connaître comment dossier RBI a. Selon USCC, pas aucune information importante, pas de chiffres dans le dossier, pas de compte en banque qui est comme sous lui. Il y a seulement un compte dormant, c'est-à-dire un compte qui est comme sous lui. Et USCC conclut que c'est une entreprise qui n'a pas fonctionné. Dans le document, ça, il y a ce dit, il y a 65 millions qui ont transféré, 65 millions qui ont transféré sous compte notaire Jean-Henri Séan. Ce qui est normal. Parce que c'est le cas notaire là, toute transaction a été faite. Et là, il y a à suivre. Il y a 40 millions dans 65 millions que vous bail, vous voyez sous compte de l'image. Daïs, tu es ma femme? Ok. 40 millions que vous transférez sous compte de l'image. Et mettre séant et mettre ton chèque que vous déposez sous compte ça. Un autre chèque de 20 millions que Metséan disposait de faire ça avec, puisque l'argent vient sous compte lui. Donc selon ça, il m'a dit le faire, c'est ça Metséan fait. Il n'a pas oublié son notaire que lui. Donc, INCC estimé comme ça, c'est détourner ou détourner l'argent. Et il dit, comme 40 millions à sous-compte d'Élimat, l'estimé son cas de blanchiment d'argent parce que Cobla, yote baili, c'est pour faire construction, logement, mais ce n'est pas pour aller sous une structure qui est une entreprise alimentaire. Il dit son cas de blanchiment des capitaux. Il dit son crime. Il dit société A, USCC dit société A pas existé. Et USCC recommandé mise en mouvement contre, vous l'avez dit, action.